إنها لحظة مميزة ستبقى خالدة في ذاكرتنا ووجداننا. أن نجتمع اليوم بالعاصمة الإسماعيلية مكناس لنحتفي بالصداقة التي تجمع بلدنا المملكة المغربية بحوالي 30 دولة من قارات مختلفة. اليوم نستضيف مجموعة من سفراء الدول الصديقة والشقيقة التي افتتحت قنصليات بالصحراء المغربية، وهي بادرة من طرف جمعية يدا في يد من أجل التنمية المستدامة للمساهمة في التعريف بالقضية الوطنية وفتح النقاش الجاد حول التطورات التي عرفها هذا الصراع المفتعل، خاصة وأن أغلب الدول تساند المبادرة الوطنية للحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. إن فتح هذه القنصليات من طرف بلدان صديقة وشقيقة هو أرفع تعبير عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو تعبير بشكل قانوني ودبلوماسي عن مساندة هذه البلدان للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده في حماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وسيادته على كامل ترابه، وهي مبادرات تشكل عملا سياديا ينسجم مع القواعد والأغراف الأعراف الدبلوماسية. Je tiens déjà à remercier Madame la Présidente de la Fondation Hand in Hand pour le développement économique et remercier aussi les autorités de la ville de Meknès qui nous ont fait donc l'honneur de nous recevoir ici dans cette belle ville de Meknès et surtout l'hospitalité qui nous a été accordée et l'honneur que nous avons eu de participer à cette conférence pour justifier donc et expliquer pourquoi le Gabon a ouvert un consulat général à La Yaoundé. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, le Gabon soutient le Maroc sur la Marocanité du Sahara depuis le début. Et cela a commencé donc avec la présence d'une délégation gabonaise lors de la marche verte. Et ça continue. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, le Gabon a été le second pays à ouvrir son consulat général à La Yaoundé. Donc nous continuons à intervenir lors des rencontres internationales pour soutenir donc la position du Maroc et surtout la solution que propose le Royaume du Maroc. Le حضور اليوم هو تأكيد على عمق العلاقات الأردنية المغربية، هو تأكيد على العلاقات الخاصة العميقة التي تضرب في التاريخ بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، هي تأكيد على المواقف الداعمة من الأردن للمغرب الشقيق في مختلف القضايا التي تهمه، وهي تأكيد أيضا على تلك العلاقة الخاصة التي تربط البلدين الشقيقين. اليوم نؤكد أنه الأردن افتتح القنصلية في العيون في العام 21 دعما للموقف المغربي وتأكيدا على وحدة الأراضي الترابية المغربية. هذه مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على المنجزات التي تمت حتى نحقق أيضا منجزات في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلا. Heureuse très particulièrement parce que je suis ici à Meknès, la cité impériale de Meknès qui a un passé historique très très riche. Je suis heureuse d'être en bonne compagnie parce que nous sommes ici en terre marocaine avec des frères et des sœurs pour parler de l'amitié entre le Maroc et l'Afrique et particulièrement entre le Maroc et le Sénégal. Vous le savez, nos deux pays sont historiquement très liés, nous avons une coopération très dense, des liens qui se déploient à tous les niveaux. Et dans la continuité de cette relation historique forte, nous avons au Sénégal une position qui est une position bien connue, intangible, sur la marocanité du Sahara. Nous sommes ici pour justement dire pour quelles raisons le Sénégal a décidé d'ouvrir un consulat général à Dakhla, dans le Sahara marocain. C'est pour manifester, pour illustrer la légitimité, la légalité des droits territoriaux du Maroc sur son Sahara. Ce consulat est une illustration de ce soutien qui a été réaffirmé à de maintes occasions et nous avons eu ici l'opportunité d'échanger ensemble sur les motivations de cette décision mais aussi la symbolique particulière qui s'attache à cet acte fort d'un État qui vient implanter son drapeau dans un territoire pour manifester la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.